Salut à tous, c'est Lestrayer, on se retrouve pour Dandelion Reptile pour l'épisode 6. Alors, on s'était laissé sur un truc bizarre où j'avais réussi, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai dupliqué l'arme, parce que... regardez ses stats. 4, 4, ouais, j'ai l'impression de l'avoir dupliqué. Bon, on va la tester, hein. Alors, je sais pas comment faire, évidemment, c'était pas volontaire, hein. Je crois que j'ai même passé un niveau, non, compétences. Ouais, c'est pas du tout, non, je suis pas passé de niveau. Je suis maintenant niveau, je sais pas, peut-être 62, 63. On va y aller. Donc le barbelé va vachement bien avec la tête de mort. Alors là, on va gagner normalement, si vous vous souvenez bien, si on réussit cette... si on réussit. Quand on va la... Oh putain. Quand on va la réussir, enfin, on va gagner une espèce de harpon. Alors je sais pas ce que vaut ce harpon. Vous avez peut-être déjà joué à Dead Island Reptile. Parce que je sais que certains d'entre vous ont le jeu. Donc... Donc là, j'aimerais savoir pourquoi je n'ai pas... Parce que j'ai la minima, vous voyez, sur ma carte. Mais elle n'affiche pas la carte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est noir, c'est. Je sais pas. C'est peut-être trop pour la console, je sais pas. Non, ça m'étonnerait parce que. Alors, je sais que la console rame pas mal sur ce truc. Ça n'a pas été divinement optimisé, on va dire. Là, j'ai combien de. J'ai. D'accord, peut-être s'acheter quelques. Non, je sais pas. Ah, encore un ralentissement. Alors, attends, il faut juste. Ah putain, j'ai encore des attendez. Ah, j'ai encore une. J'aurais dit putain aussi, c'est peut-être pas mal. Voilà. Collection de trophées. Non, défi. Ok. Alors, chaque fois, j'essaie de ne pas rager. Hein. C'est un gros travail sur moi-même que je fais. Alors, déjà, je ne trouve pas la porte. Ah, si. Il y a plus rien qui monte la garde. Ouais. Ils ont tous des pistolets en fait, j'ai remarqué, hein, sauf moi, bien évidemment. Je ne sais pas pourquoi. Sûrement, vous allez me dire, parce que je n'en ai pas trouvé. Qui est plutôt une bonne raison. Alors pourquoi est-ce que je n'ai pas le. La carte qui s'affiche là, le. Là, on va plutôt avoir besoin de ma griffe. Le mec est encore en train de partir en son délire. Je pense que le mec essaie vraiment d'atteindre. À mon avis, le soleil. Soleil tropique, tu as tapé trop sur la tête. Mais attendez. Bien calme ici, je trouve. Ah non, bah d'accord, il y a un Bouddha qui vient d'apparaître. Soit. Je l'ai foutu dans la tronche. C'est vachement bien cette nouveauté là. Il y a un nouveau move. Qui me suit là? Qui me suit? C'est le Bouddha! Parfait! Pourquoi je n'arrive pas à monter? Je ne sais pas. Allez vite, mon pote, monte. C'est une connerie, regardez en arrière. Hein. C'est quoi ça? Je sais pas pourquoi il y a cette espèce de truc rouge là. Je sais qu'il y avait des marques comme ça avec. On donnait la langue premier du nom. C'est pour indiquer qu'on se rapprochait de la planque de. À l'échelle. C'est vachement une échelle ça. Ouais, pour indiquer les crânes, vous savez, ces espèces de crânes, là, non, vous n'avez peut-être pas joué à Dead Island. Si vous n'avez pas joué à Dead Island, jouez-y. Car si vous avez joué à Dead Island et si vous avez fait, ah, le 3, si vous avez fait Dead Island Reptile et que vous n'avez pas fait Dead Island normal, je ne comprends pas pourquoi, parce que ça aurait été mieux, le jeu vous aurait coûté moins cher, et je pense que vous l'avez vu, sinon vous ne devez aïe, rien comprendre au jeu. Raté. Oh, c'est violent qu'on attaque ça. La petite dame, qu'est-ce qu'elle fait? Toujours du mal à se relever. Maintenant, je suis à toi. Non, te laisse pas pour moi, c'est pas la peine. On est demi-cerveau. C'est mort. Ah, je peux pas le toucher. D'ailleurs, t'en as vraiment un gros là-bas. Hein. Oh là 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 là. Il y a un ralentissement là, c'est pas bon ça. On a 4. 5 roues les mecs. Hein. L'IA est meilleur. Hein. Aïe. Bon, j'évalue mieux les distances, mais c'est pas encore ça. Hein. Ouf. Ils se prennent des branlées les mecs.
Ils se relèvent, quoi, c'est des combattants incroyables. Là, tu vas te relever là, mon pote? Eh ben non. Pour son défi. Premier arrivé, premier arrivé. En même temps, je suis tout seul dans la partie, hein. J'ai désactivé le mode online pour éviter d'être spoilé, d'être emmerdé par des joueurs qui font n'importe quoi, surtout. Bon, je referai après peut-être sûrement l'aventure avec d'autres gens. Mais pourquoi est-ce que j'ai pas la carte, là? En plus, j'ai débloqué la carte, je comprends pas. J'ai l'HUD de la carte. Pour l'HUD, pour ceux qui savent pas, en fait, c'est tout ça, là. Ça veut dire affichage tête haute. C'est toutes les petites icônes que vous voyez, là. Dans les jeux vidéo, il y a toujours des machins qui flottent sur l'écran, là. C'est pas des HUD. Ça veut dire affichage tête haute. Ils ne savent pas. Il y a déjà des gens qui m'ont demandé. Alors, des runners. Et un mec explose. Couché! Couché! J'ai dit couché! Méchant le zombie! Oh! Je l'ai assommé! Oh là là! Calmé, oui! Couché! À terre, j'ai dit! Oula! Oh, il s'énerve, le monsieur là! Calmé, oui! J'ai dit, on se calme! Non! Quoi? Mais quoi? Attends, il y a un truc qui a explosé, là, je sais même pas d'où il vient. Pourquoi ça me signe là? Attendez. Ce foutu truc de canne là que j'aurais pas dû récupérer. Qu'est-ce que c'est? Incommode, je sais pas s'il est incommode, j'en ai rien à foutre. Ah, mais attendez, j'en avais un autre qui était vachement efficace, ce truc, attendez. Vous savez quoi, on va mettre la hache à la place d'une espèce de machin là, parce que l'autre était pas. L'autre avec le feu, elle était bien, mais elle était pas aussi efficace. Ce qui est bizarre, c'est que celui qui est comme ça là, celui-là est beaucoup plus efficace que. Ouf! Ouh, cette arme me plaît bien! Attends, il y a quasiment 1000 quoi! Ah non, c'est l'autre qui avait 1000. C'est bizarre, ça affichait 900 là tout à l'heure, vous avez vu comme moi, non? Oula, regardez, 6, 6, 6, 1. Bon. Continue. Carte. Où est-ce que je suis, moi? Ah oui, c'est quand même pas une super idée d'aller là, en fait. Parce qu'après, je vais devoir traverser tout ça. J'essaie d'atteindre la route. Ouais, c'est une voiture, ça? Avec quoi on va il y a une voiture là-bas, on va aller la chercher. Ça sera mieux. D'avoir fallu les charcuter, je pense, avant de. Ouh! T'es derrière! Couché, toi! Ah, j'ai envie de foutre un coup dans la tronche! Allez, vous allez vomir, ouais! Respectez mon autorité! Pim, dans ta face! Couché! Wow. Où tu viens, toi? Et voilà, t'as perdu tes bras. Bientôt ta tête. J'y arrive. Non. Il va me niquer. Oh putain. Non, c'est elle qui m'a niqué. Oh putain. Allez, combien j'ai perdu ce coup-ci? Petite surprise. Ah, il le donne pas ce coup-ci. What? Ah, ils m'ont mis où, là? Pas mis trop loin, ça va. Eh oh là, toi là. Non, on va pas s'occuper de lui. On va juste prendre la caisse. Et si vous savez quoi, on va l'écraser.
Pourquoi tu fais demi-tour? Non, attends, on va s'occuper de vous, monsieur, là, attendez. Par contre, mon volant ne tourne pas. Ah, si, si. Allez. Est-ce que je suis planqué, là, pourquoi? Oups, pardon. Je dirais un certain youtubeur. Oups, pardon. Je vais extrêmement bien, d'ailleurs. Oh, il y avait des trucs à bouffer, là. Bon, c'est pas là. Et par là, faire le tour. C'est dommage que je vous avais dit, genre, je vous avais déjà dit, mais je vous dis parce que je trouve ça chiant, qu'avant on pouvait rentrer directement dans les voitures par l'autre porte et le personnage passer sur l'autre siège. Alors là, on va passer par. Putain, la route est coupée là. Je vais aller là-bas. Est-ce que je vais dans le bon sens là? Pas du tout. Est-ce que là, je vais dans le bon sens? Oui. C'est là, aïe. La direction, parce que le truc me fait n'importe faire. Non, c'est bon. Ah, c'est plus pénard en bagnole. Hein. Coucou, c'est moi. Coucou. Monsieur, je crie derrière là. Et on est arrivé. Il se planquait, ce petit malin là. Regardez-le là. C'est qui arrive là. Oh, il a arrêté de crier là. Allez, tout le monde s'aligne, un par un, chacun son tour. Il a réussi à m'éjecter de la bagnole, le mec. Enfin, le mec, le zombie, l'infecté. Ce sont pas les zombies, hein. Les zombies n'existent plus maintenant, les survival horror. C'était remplacé par les infectés. C'est vrai. J'aime bien les zombies, moi. De toute façon, House of the Dead ou. Bref. Non. Voilà. Ah ouais, c'est un beau truc scientifique, ça. Mais non, c'est vachement bien, c'est fermé et tout, il y a caméra, électricité. Allez à la recherche. C'est une zone spéciale. Chapitre 4. Science nous délie. On voit les quêtes suivies en coopération, on peut voir les quêtes suivies par les autres, comme par les joueurs en coopération dans le journal des quêtes. Dans certaines situations où les ennemis sont trop nombreux, un coup de pied peut vous aider à garder un peu d'espace. C'est vrai. Je confirme. D'accord. En fait, il y a eu un truc juste pour me faire passer là, quoi. Je pense qu'il va être bien gardé le, le laboratoire. Et la carte est totalement indisponible. Parfait. All right, Harlow. I'm at Kessler's outpost. All right, find a way in. Oh, great. Another rundown shithole. Les gens très très énervés là-bas. Pourquoi je peux pas monter sur ce baril là? Il a pas des jambes, le mec, il a des roulettes, c'est pas possible. Bon, c'est pas grave. Peut-être que j'ai pas le niveau pour monter sur ce baril. Non, je pense pas quand même. Coucou, c'est moi. Oh, mais ça me rappelle le. Ah oui, c'est normal, c'était aussi. C'est une caméra, c'est que. Voilà, full vie. Et gaz à briquet. C'est vachement rassurant parce que les petits trucs comme ça. J'ai pas d'arme courte, ça me va. Hope that intercom works. Marteau précaire. Non, je suis pas de marteau précaire. Ah. Code. Kessler, you in there? Who is it? What do you want? I need your help, Kessler. Please, let me in. I am busy doing serious research here. I have no time for visitors. Leave me be. Sir, it's about that research.
I read your study on Kuru disease, and I thought it was right on target. I just have a few questions about it. I swear I can't get a moment's peace around here. Very well, come in. Ouh, regardez un petit coffre. Well, what do we got here? Étoile du matin énorme. Niveau 63. Du matin barbelé, paralysie. Et 687. Je prends, c'est bien, j'aurai que des trucs avec des têtes de mort, c'est parfait. Je pourrais faire différentes variantes, parce que là j'ai la version barbelée. La version. Club de golf précaire. C'est carrément du GTA là. Pourquoi ça fait des bruits de braguette là? Faut m'expliquer là, ou de zipette si vous préférez, parce que là je suis désolé, c'est pas des braguettes. C'est pas des stacks là. Hein. Ils sont pas foulés les développeurs. Oh! Attendez là! Un nouveau zombie. Voilà. Ça c'est pas bon ça. Il est où le monsieur là? Here we go. I knew there had to be some fucked up shit somewhere in here. All right, I let you in. Now tell me what you want. Déjà, je vais te piquer tout ce que t'as ici, après on va causer. Alors, j'en étais où, hein? Ouais, je fouille même les poubelles. Et ben, moi aussi, je suis occupé à sauver le monde, là. Donc, tu vas attendre 2 secondes. Merci. Most of my squad is dead. Une petite serre et tout. I let you in, now tell me what you want. Johnson was attacked. Fermez, j'ai un message, là. Abomination. And Murphy put a bullet in him as his screams were raising the dead. At least they look and smell bloody dead, but how can that be? They came from the jungle, from everywhere, snarling like hungry animals. Miller panicked and ran into a whole mob of them. They fell on him like rabid dogs, tore him to pieces. And the rest of us barely made it out alive. I was bitten on the shoulder, and the others were sure the infection would take me as well. And soon after we went to sleep, Jenkins tried to murder me. At this point, I think our only option is Henderson. At least there's a military base there. Most of our families are there as well. I just hope the city's still safe. I am very busy. Wait, moi aussi je suis très busy. Bon, attends, qu'est-ce que t'as à dire, vas-y. I heard you know a way to Henderson through the old Japanese tunnels. There aren't any tunnels. Now get out of here. I am a scientist, not a tour guide. Stop wasting my time. Marcus Villa told me about the tunnels. Now, just tell me what I need to know. You saw Marcus? I haven't seen him in ages. He was brilliant, you know, in his own way. But let us just say there are reasons we no longer work together. Very good reasons. Yeah, well, he tried to eat me, so hearing that you kicked into the curb isn't a huge shock. He wanted to eat you? That doesn't make any sense. Sure, he went to live with the natives, but they've always struck me as peaceful people. Perhaps he was worse off than I even imagined. But that does not explain why he would resort to cannibalism. I'm immune to the plague, and he thought my flesh was the key to a cure. Wait a moment, are you saying that you are immune to what's happening out there? Yes! Well then, this certainly changes things, doesn't it? Yes, I'm afraid it does. Yeah, I have a map that you should find helpful. But if you want it, you need to help me with something. I have been researching this disease for many years. Kuru has been endemic to the indigenous people here for centuries. This outbreak is one of many, and each incident is a little different, as is the trigger that reawakens the plague. It's truly remarkable how this prion disease adapts and changes, how it mutates when exposed to external factors, the speed at which it affects the host organism. Astonishing, really. But science can be unpredictable. Dangerous, even, you understand? Yeah. Oui, je comprends. Yeah, I can see the bodies from here, Doc. A truly unfortunate accident. One that was largely the fault of my assistants.
I assure you, I had very little to do with what happened out there. Yeah, yeah, tell someone who gives a rip. What do you want from me? I am merely trying to make it clear that I am not an evil man. In times such as these, it is easy for men of science to be blamed, persecuted for their actions. Especially by people who possess lesser minds. My four assistants were in possession of some reagents, chemicals contained within vials. Unfortunately, those vials are out there in the greenhouse. Bring them to me, and I will give you the map. The map. We have a deal? Yes. C'est quoi ça? Arme électrique de défense. C'est quoi, c'est l'arme de Samus Aran, ça, ou quoi, là? Samus Aran, le gars dans Metroid, je sais pas si vous connaissez. Ou alors ça ressemble à une espèce de pistolet. Ouais, c'est ça. Absolutely. Moi, je veux mourir con, je m'en fous de ton pistolet électrique, là. All four of them in order to secure the vials. But there is no saving them now. You will be putting them out of their misery. Find that map and have it ready to go. I cannot conduct my tests without the reagents. Shut up. Shit, what a mess. Ouais, je suis même dans les unités centrales, hein. Alors, je pense que ça va être par là. Attendez, normalement ça se fait quand on a les portes fermées, sinon ça n'a pas intérêt, ça. Ça, et j'ai un peu de sang là sur ma truc là, vous pouvez faire quelque chose ou pas? Ça sert à rien, mais c'est stylé. C'est stylé, merci d'y avoir pensé. Oh. Oh non, il y a l'énorme. On dirait les créatures qu'il y a dans Last of Us. Alors encore une fois, si vous ne connaissez pas Last of Us, c'est une vraie perle. Achetez-le tout de suite. Essayez le jeu, essayez de me faire prêter ou quoi que ce soit. C'est une vraie merveille ce jeu. Je connais tous les zombies dans Dead Island, hein. Je sais comment les. Alors celui-là, vu qu'il est nouveau. Waouh! Vous êtes deux les gars là! Attendez, 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 soyez. Je vais vous offrir le cocktail destroyer, alors attendez. Patientez, hein, j'arrive dans quelques secondes. Bombe à poison. J'ai essayé ça, les bombes à poison. Je sais comment les lancer. Venez. What? D'accord, je suis extrêmement bon au lancer. Bon bah je vais vous envoyer un cocktail, vous voulez pas les gars, parce que en fait c'est des grenades ça. Et vu qu'ils sont au-dessus. Couteau de lancer, j'en ai ça. Enfin, je vais peut-être lancer mes couteaux de lancer avant. Attendez. Ta face. Yeah. Boomerang. Allez, hein, chacun son tour. Oh. Ok, d'accord, on peut les rater. Toujours dans leur corps, c'est excellent. Attends, par contre, ils font un bruit assez sympa, on dirait. Ils sont bien pleins d'un liquide, je sais pas ce que c'est que ce truc. Oh, c'est leur bouteille de... Ah. Allez, venez là, mes amis. Venez là, rapprochez-vous. Rapprochez-vous de moi là, voilà, rapproche-toi. Voilà. J'aime bien vous regarder voler. Alors, ce qui est une très très bonne nouvelle, c'est que regardez, j'ai ma jauge de pouvoir qui est quasiment. Ah, je peux les avoir par là, excellent. Oh, excellent. Coucou. Et là. Il doit y avoir une attaque spéciale, ils sont pas juste. Ils font pas juste des petits bruits. Bon, je vais arrêter de faire n'importe quoi, je vais partir. Ce qui est extrêmement bien, c'est que là, il n'y a vraiment pas d'espace pour se battre.
Waouh, qu'est-ce qu'il m'envoie là? C'est quoi ça? Ils sont costauds les mecs. Waouh. Ils sont synchro là. C'est bon, j'en ai eu deux. Non, j'en ai eu un pour l'instant. Ah, il me lance un espèce de liquide absolument dégueulasse. Est-ce que vous pensez que je peux... Attendez. Parce que là j'ai mon pouvoir, mais le problème c'est qu'ils sont pas, ils sont coupés par deux les mecs. Et je peux pas les... Ah d'accord, en fait c'est tous les scientifiques qui travaillent dans la serre. Donc en fait faut que je les bute, c'est ça dans ces... Oh non. Oh le gros là. T'es gros toi. T'es gros mais t'es mort je crois. Hein. T'as même pas la tête tellement il est... Il est gonflé là. Laurier rose. Oh, il file des lauriers roses. C'est vachement cool. Mais comment ils sont montés là-haut là? Ah! D'accord. Ok. Bon, attendez, on va faire le tour. Hein. Bougez pas, les amis. Je vais venir vous chercher. Là, vous avez. Contre votre douleur. Bon, j'avais vu un escalier là-haut. Cette foutue entrée, mais c'est un labyrinthe là. Ils font les malins au-dessus là, mais s'ils descendaient. Raté! Je veux monter, moi, comment on monte là? Pas d'autre. Continue de monter ces petits mecs. Il doit y avoir un autre endroit pour monter là, c'est pas possible. Je sais comment il est descendu, il est tombé. Tu vas venir voir ici, c'est prêt. Raté. Non, je peux pas aller voir ici. C'est des fleurs de espèce de laurier rose ici. Ah, ça rend la grande sphère qu'on voyait de l'extérieur. Ouh. H universel fiable. H universel. Elle est mieux que la mienne quoi. Bon. Et le scientifique n'aurait pas pu me dire comment on faisait pour accéder à son truc là-haut là. Il ne semble pas bon. Encore une caisse. Poids lourd américain, ça m'intéresse pas. Ah! Merci! Enfin! Ouais, c'est farcir là. Oula. Putain. Oh. Putain, y'en a un là. Yeah.
Ouais, bah je m'entendais les zombies plus. Plus chaud à battre quand même. Whoop! What? Mais il vient de s'exploser lui-même ou quoi là? Alors, hop! Il m'envoie des morceaux de quoi là? Il envoie des morceaux de lui-même! Aïe 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 aïe! Ah ouais, c'est les seuls trucs quand même! Je suis en train de comprendre à quoi sert ces espèces de barils toxiques là. Ça sert à se protéger des attaques de ce gland là. Comment est-ce que je vais faire? Oula, il a une sale tête. Je me casse, ok. Oula, foiré, mais... Mais il m'envoie quoi? Des morceaux de... Ça, c'est des morceaux de lui en fait. Ça sent... The reagent is mine. Pour être trophée, je suis pas responsable, non. Ok, il y en a un autre là. C'est quoi ça? De secours moyen. Non. Plus de bruit, il fait un bruit différent lui. Oh là là! Il se passe sur deux. Il est mort en tombant sur le. Ok, d'accord, c'est électrique en plus. Il est rapide. Il est agressif. Là, j'aime bien, moi, ce nouveau zombie. Il me plaise bien. Ça pas un tout petit peu électrifié, ça? Non, pas du tout. Parfait. On ouvre. Qu'est-ce que ça fait, là? Tu veux m'expliquer, là? Ça m'a... Ça a ouvert quelque chose. Ah! Wow! Putain! Oh, le con, ouais. Il y en a qui regardait, il s'est fait dégommer par le... Attendez une seconde, là! Laissez-moi le temps de me voir mon... de Red Bull, là. Non. Raté. Ah, non, il m'a eu. Ses manières, hein? Wow, wow, wow! Oh, je t'avais pas vu, toi. Ouf. Ah, là. Loupé. Attends, mais y'a l'autre qui me bombarde là. Je fuis. What? Eh, combien ils sont? Ils sont 4. Ouais, c'est là que je regrette de pas avoir d'arme de lancer là, ou de pas garder, j'aurais dû garder mes trucs pour et 700 de dégâts, oui, repart, c'est bien. On va retrancer la bataille. C'est lui qu'il faut tuer parce que lui il nous balance ses cochonneries là. Pas comprendre, hein, monsieur. Voilà, les filles actualisées. On se calme, vous là. Ils sont bons en plus, les mecs. Eh, on se calme. Voilà. En fait, c'est les grands, en fait. Il y a une différence entre les... ceux qui sont en combinaison genre beige et ceux qui sont en combinaison jaune. Alors, il y en a un violet, là. Il est bizarre, le violet. Enfin, il est bizarre. Il est violet, quoi. On va avoir un petit boss, ça serait pas mal. Raté! Oula, 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 il est le gros là, tu fais du bruit là. Reste derrière. Ah,
monte. Surprise pour toi là-haut. Coucou. Oh, il a eu son pote. Oh. Raté. Essaye encore. Ouais, allez, vas-y, tire sur ton pote, là, bonne idée. Il y a déjà du mal à se lever, t'as raison, tire-lui dessus. Ça t'énerve, tu m'étonnes, ça t'énerve. Je reviendrai bien ma hache dans ta tronche, toi. Je tiens trop à ma hache. Voilà, excellent. Touché. Voilà. Il y a qu'il y en a pas un autre qui arrive par l'autre côté, là. Bon, ça va, hein. Une batte, là. Infecté. Il est en train de se vomir dessus, lui. En plus, il a un masque, donc il est en train de se. Vraiment de se. Voilà, petite glissade à la fin. Youpi! The reagent is mine. On en a un gros là-bas, si j'ai bien compris. Il vit aussi bien que ses frères. Aïe! J'étais derrière, j'étais caché là! Enfin, je vais aller voir ce qui se passe là-bas, là, s'il n'y a pas un truc intéressant. Bien vu. Absolument rien. Attends une seconde, laisse-moi le temps d'arriver là. Hop là! Ah, mais vous êtes deux! Ah ouais, c'est pas top ça. Et encore ils sont potes. Hein? Ouais, on va quand même se mettre un petit coup de truc, ce serait dommage de mourir maintenant. Après une belle. Ça me paralyse à un moment. Dans la tête, pas cher. Non, tu vas pas me lancer ta cochonnerie là. Carrément costaud lui. Non! Ah, il m'a eu un fou. Le petit. Hop! Deux fois de suite. Et aussi, je dirige un tank là. Non, c'est pas l'excuse. J'arrive, bouge pas. Non. 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 Non, ne me lance pas tes trucs là. Je vais mourir mon pote. Je sais comment il se tourne. Franchement. Bon. T'as prévu de faire quelque chose ou quoi là? Got it. That's the last regent. Je pourrais avoir mon harpon, chic chic chic. Il y a des trucs à récupérer là. Et maintenant je sais. Ouais, c'était bien sympa cette petite nouveau zombie. Nouveau infecté, pardon. Ce sont pas des zombies. Voilà. Ciao. Pas sauter ici. Il y a des trucs là, non? Je vais récupérer. On va aller voir le docteur, on va l'aider, comme ça on pourra aller voir la nana. On va pouvoir récupérer notre petit harpon. Moi je connais pas eu plus quand même, dégâts. Pourtant je suis. Je crois niveau 10. Ouais, bah niveau 10. Ah! Bah lui, il me semblait bien qu'il en manquait un. Alors attends, comment je vais te voir, toi? Là, je crois que c'est toi qui vas être obligé de descendre. Mais comment t'as atterri là, toi? Ah, lui, il peut pas lancer, lui. Viens, viens là, là. Et ici, là. Grande allonge. Voilà. Voilà. Ok. Par où la sortie? Ici. Quoi? Ouais, c'était peut-être un peu haut, ouais. Extrêmement con ça.
que je viens de faire. Allez. Du coup, on est reparti. Allez, cours plus vite. Quarterback, là. Ça court vite normalement, le quarterback, non? Ok. Petite désinfection. Good, good. Now I can conduct my tests. I only require a sample of your blood. If you don't give me the map, I'm gonna feed your ass to your infected pals. Got it? I am doing a poor job of explaining myself. You are clearly immune, that much is certain. But that does not mean that you are safe. There is a strong possibility that the virus is in your body. And if it is, it could mutate. And depending on how it mutates, you could be in grave danger. All I need is a small blood sample. I run a simple test, and then we'll know. This is for your own good. All right, go for it. Okay, you will feel a little prick. Nothing to worry about. Do this test for me, and the map is yours. C'est moi qui vais faire les tests en plus. See, that wasn't so bad, was it? If I had a little sweet, I would give you one. When this is all over, you need to have your head examined. I was merely trying to lighten the mood. Oh, it'll only take a moment to prepare the sample. Please be patient. Surveille-toi. Je suis préparé, tu regardes la télé là. I've got your results. You are completely resistant to the virus. Tell me something I didn't know. No, it is not what you think. Your resistance to the virus has kept it from multiplying, from wreaking havoc on your body. But it has not destroyed the virus. It has merely suppressed it. Okay. You need to be very careful. Cool. Any contact with certain types of reagents could trigger a mutation. And if the virus mutates, it stands to reason that you could lose your immunity. Or much, much, much worse. Unfortunately, there are so many factors to consider that it is impossible for me to tell you exactly what might happen. But one thing is clear. You should avoid anything that would put you at risk. What do you mean? Your plan was to use the tunnels to reach Henderson, correct? Yes, the Japanese created them during World War II, and later they were used to store chemical weapons. In the 50s, during a monsoon, there was a leak. Those chemicals worked their way into the water. The Aussies sent in a battalion of engineers and soldiers to clean them up, but they weren't successful. When they went into the tunnels, one of them must have been infected. The virus mutated and all hell broke loose. The Aussies had to blow the entrances to prevent the infection from spreading. D'accord. Les égouts, c'est un peu les tunnels dont vous allez en train, quoi. Là, c'est les égouts. Les tunnels. To those chemicals is what caused the infected soldier to mutate. Les soldats infectés. You need to find the old Jesuit mission. A passageway runs from the ruins down into the tunnels. Here is the map, as I promised. I cannot stop you from going down there. That is your decision. But if you do, use an abundance of caution. Try to avoid prolonged exposure to the chemicals. I wish you best of luck. Thanks. Carte de tunnel. Merci, answer the radio. Thank God I was starting to worry. Did you get the map from Kessler? Yeah, I got it. Gonna be a pain going through the tunnels, though. You can fill me in when we meet up. Where are you going now? To find the entrance to the tunnels. Non, je vais au courant d'abord.
We're taking a look. Et le truc serré où? Ah bah non. Attendez, j'ai gagné un truc. Ah, le fameux pistolet, là, à chaque fois j'oublie de récupérer les trucs. Alors, arme électrique de défense, sauvage. Attendez, faut que j'échange contre une de mes conneries que j'ai. Pistolet de détresse non fiable. Regardez, j'ai les deux mêmes là. C'est multiplié ou quoi là? On s'en débarrasse d'une. On va voir ce que c'est que ce pistolet. The tunnels hold the key to this riddle. Allez. Pistolet donc. Pistolet, pistolet. Les armes. Ah, pistolet. Merde. Moi, je l'avais déjà dans mon inventaire. C'est ça, c'est un espèce de... On va le tester. Pour recharger. Non ! On peut pas recharger, ça m'a foutu une picoule. Ok. Peut-être, hein ? Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Ah non, j'ai pas fouillé le tunnel tout de suite, là. Je vais d'abord retourner à mon truc. Damn, an article about Marcus's research in biology. Kind of impressed. Je vais d'abord récupérer mon super harpon là que j'étais très content d'avoir. Là-bas, ça doit être utile. Ah, mais il est sous une table de craft là-bas, attendez. Hey, mine's over here. Putain. What? Vous foutez de ma gueule là? Putain, il y avait des mines. Bordel. Connerie, putain. C'est quoi, je vais pas aller tout de suite là-bas, hein? Je vais me tirer d'abord. Prendre ma caisse, putain, il y avait des mines, quoi. J'ai rien vu, quoi. Voilà. J'ai un chapitre 5, la mission. Avant l'épidémie, Renston était un merveilleux havre de paix. Bah oui, comme Banoï, hein. Les joueurs peuvent se connecter à tout moment, soit dans la partie, à des joueurs qui ont une progression identique ou inférieure dans l'histoire. Mais c'est normal, utilisez le menu. Couleur vous donner un coup, réduit votre endurance, sans endurance, vous ne pouvez pas combattre efficacement. Effectivement. Je me suis fait exploser par une mine, quoi. Hein? Oh, c'est très drôle, ça. Wow, 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 wow. Là, ce petit pistolet est très sympa. Je vais le garder. Je sais pas comment on chope des munitions dans ce truc-là, mais... Wow, wow, wow. Where do you come from? Yeah. Ouf, couteau de canne à sucre énorme. 800-500. Je suis prêt à tenter de le prendre, vous savez quoi, je vais me débarrasser de cette... Attends. Je prends le canne, je prends la caisse. Et je me casse. Donc, c'est par ici que je...
Ça là-bas. Trouver la maison. Mais non, je m'en fous, moi j'entends là-bas là. Donc je passe. Mauvaise direction. Je n'arrive pas à sortir d'ici. Est-ce que là, je suis dans le bon sens? Parfait. This ship's getting tired. En arrivant ici, on continue par là. En fait, c'est du tout droit juste ici. Un bouteillage. Là-haut. Tout à l'heure, il y avait le truc là. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus ce foutu truc? Ça déconne à plein tube ce truc là. Ça revient là. Ça revient que quand on est à proximité. Ce qui va dire. Une grande utilité. Alors, qui est là pour m'accueillir là? Je t'entends, mais je te vois pas. Ah voilà. Ah putain de lag! Je sais pas si j'avais vu aussi, mais. Son pote qui m'attendait derrière avec un couteau. Merde. Il n'a jamais aimé ça, défier avec lui. Changement d'arme. Vous n'avez même pas vu l'alarme taper là, tellement elle était. Tellement mon coup était rapide. J'ai encore dit attendez. Je crois que ça devient un type de langage dans le jeu là. On va juste se débarrasser de la hache parce qu'elle est morte. Et là, on va la remplacer par. Le pistolet qui est vide, on va aussi la remplacer. Par ça. Voilà, mon nouveau couteau. On va les brûler en fait. Sur le campement là, enfin la safe zone. On va être mis en solo avec lui ou pas? Il m'a rien lâché ce crevard de l'ennemi là. On fonce. Je cherche l'entrée. Il est dans le coin l'entrée là, attendez. Oh là 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 là. Putain, allez. Espèce d'handicapé mental là, voilà. Et on ferme derrière. Il est toujours là. Et notre harpon. On va enlever ce foutu marqueur. Voilà.
C'est bon, lui il est revenu là, tranquille. C'est pas Marc Villa, c'est pas lui qui nous a cramé là tout à l'heure. Mon harpon. Je veux mon harpon. Hi, come here. Come here, attendez. Une seconde, inventaire. Comment ça peut te t'appeler? Attendez. Qu'est-ce que je vais pouvoir virer? La batte de baseball clou. Et combien? 400. C'est formidable, formidable, mais il est pas si formidable que ça. Hein. Alors on vire. Prends le harpon. Harpon lest. Without your help, I won't be able to find. Bon, bah nous on va s'arrêter là, les amis. Hein. On va. Je vais réparer mes trucs là et on va s'arrêter. Épisode. Et après je ne peux plus réparer, on peut peut-être créer. Non, on peut pas. Bon bah sur ce, mes chers amis gamers. Je vous dis à plus et à bientôt pour l'épisode 7. Allez, ciao, bye bye.